Décret de 2021-008-PRG-CNRD portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG-CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Beyavoghi, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, est nommé Premier ministre de la Transition, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 6 octobre 2021, président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-009 PRG-CNRD portant nomination du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG-CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, décrète. Article 1er. Le colonel Amara Camara, précédemment directeur de l'école militaire interarmée, est nommé ministre secrétaire général à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 6 octobre 2021, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya.